Aux dernières heures de Ferelden, l'archidémon envoie la horde des engeances dans la grande ville de Denerim. Vous êtes un porte-étendard Urloc, né pour être un meneur assoiffé de sang. C'est un massacre. Les murmures de l'archidémon vous incitent à tuer. Tuer, recruter un esclave porte-étendard. Aidez l'homme. Et tuer les défenseurs. Et en avant! Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkan. Et oui! Et on se retrouve aujourd'hui, mes amis. On se retrouve pour l'épisode 113 et de mon let's play sur le jeu Dragon Age Origins. Et notamment dans l'extension Les Chroniques des Engeances. Et on se retrouve en pleine guerre de Denerim, mes amis. On se retrouve avec un personnage jeune que je connais pas du tout. Alors ça va être le bordel, j'ai envie de vous dire. Provocation, alors on va faire un cri de guerre. Hop là, ça tu te mets ça ici. Retrait, non pas retrait. Quoique ça tu vas mettre ça ici, ça tu vas mettre ça ici. Et puis on verra bien, on verra bien, on verra bien. Du coup, on est un porte-étendard, on est en pleine guerre et on est dans la réalité où Kalyana n'existe pas. Qu'est-ce qui serait passé si c'est les engeances qui allaient gagner? Allez, viens, Genny! Pas voir papa! Bon. Ok, montrez-le, okay. Il est pour mener. Eh ben, on va tuer, on va tuer! Allez, meurs! Voilà! Bouillard! Le Genny, il aime bien ça. Il y en a d'autres là-bas, il y en a d'autres là-bas. Vite, il faut les tuer, les gardes de la ville. À mort! À mort! Et bouillard! Alors, est-ce que j'ai des super pouvoirs? Oui. Est-ce que j'ai des coups ajustés? Oui. Ya! Sauvez l'ogre! Allons sauver l'ogre! Tic 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 tic. Je crois qu'il est là-bas, hein, selon la cinématique. On va tuer tous ces humains, ces hérétiques! Tuerons tout le monde! Viens voir papa, t'es chez moi! Ya! Et hop, un de moins. Tuons les arbalétriers. Bouya! Boum! Et un petit coup dans le tsutswing, ça fait du bien! Et prends ça, Jean-Pierre! Tu vas regretter ta maman d'être né. Ya! Par contre, oh là 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 là, j'ai tellement pas l'habitude de me battre avec un bouclier épais. Voilà, c'est bien. Tuons cet homme d'or. Et boum! Couché! Yeah. Allez, un petit coup d'épée, s'il te plaît. Ok, viens ici, mon petit ogre. On a besoin que tu défonces les barricades. Viens ici, le petit ogre, j'ai dit. Voilà, donc on peut jouer des monstres. On peut jouer des monstres, et ça, c'est sympa. C'est très, très, très sympa. Regardez. On va détruire les barricades! Bouillard! Allez! J'espère qu'on va rencontrer des copains. Ça serait marrant de voir des copains. Vous en pensez quoi? J'ai plus d'endudu! Et venez m'aider les rigolos! Voilà, c'est bien! Il est où mon Genly là au fait? Allez, bouffe-le, voilà, bouffe-le. Eh bien.
Aïe. Tu vas mourir, toi? Voilà, et toi aussi. Mon gros, fais péter les barricades, j'ai dit. Mon gros, fais péter les barricades. Alors, ah, c'est que t'as plus d'endudu, ah bah oui, bah là on est mal barré. Allez, casse les barricades. Casse les barricades. Mort au Riarl. Un seigneur humain nous traque pour étendard. Montrez-lui que la mort ne nous fait pas peur. Ok, il est où le Jarl? Il est où le Jarl? Je vais tuer les gardes de la ville en attendant. Ya! Oh là là là, il y en a beaucoup. Le Jarl, ou Dame Cotrien? Mais ça fait longtemps, dis donc, qu'on s'était pas vu. Prends un petit coup de bouclier, Dame Cotrien. Tuons d'Amon et d'Amini. Yeah. Attends, Dame Cotrien est pour moi. Yeah. Et voilà. Le Jarl... Ouh, le Jarl haut. Booyah. Le Jarl haut est à moi. Tu n'es pas censé être mort dans une autre réalité, Jarl haut. Tu profites que Kalyana ne soit pas là. Boum. Oh là là, ils vont me tuer mon truc, ils vont me tuer mon truc. Oh non. Oh non, on est mal barré. Au secours. Au secours. Ils ont tué mon ogre. M'en fous. Allez, Genli. On compte sur toi. Tu peux le faire. Voilà. Seul Genli survit. Allez, tuez le chien de garde, il est méchant. Boum. Couché. Allez, un petit coup de main. Un petit coup de main. Un petit coup de main, ça ferait pas de mal. C'est qu'ils sont costauds, ces enfoirés. Ils sont très très costauds. Au secours. Aidez-moi. Allez, un petit coup de soin de soin, ça fera pas de mal. C'est bon, on les a tous tués. Allez, la porte est à nous. Voilà. Les portes sont à nous, portes étendard. Nous devons progresser plus en avant au cœur de la cité. Oui, je veux bien, mais j'ai comme qui dirait perdu mes copains. Il est mort où, mon personnage? Arbalétrier. Ok. On fait le tour pour récupérer des... Mon personnage qui a disparu. Donc voilà, vous voyez un peu la bataille vue des engeances, ce qui peut être intéressant. Enfin, je veux dire, j'aime bien ce petit DLC. Oh non, encore un garde de la ville. Tuons-les. Allez Jean-Pierre, faut se réveiller. T'es censé être notre chef. Voilà, c'est bon. Eh ben il est costaud ce petit... Ah ben voilà. Alors, recrutons un nouveau un ogre.
J'ai dit recrutons un ogre. Voilà. Donc on a quoi? On a des Jean-Pierre. Et on va prendre aussi un guerrier. Voilà. Bam! On a des super guerriers. L'épée de Guerre le Haut, ok. Dame Cotrien, ok. Garde de la ville, ok. Alors, Dame Cotrien et le Jarl le Haut sont vivants hein, dans cette réalité. Parce que. Ils n'ont jamais rencontré Kaliana. Et comme ils n'ont jamais rencontré Kaliana, eh bien, automatiquement, tous leurs plans n'ont pas été déjoués. Et du coup, on se retrouve en pleine guerre civile. Voilà. Donc toi t'as un arc, ça peut être pas mal. Mélangé en pleine guerre civile et on a donc quelques compagnons qui se sont regroupés autour d'Alistair qui était finalement le garde des ombres de cette réalité. Et on voit ce que ça a donné hein. Alors je fais un peu le tour, Je profite des décors. Donc vous voyez, le ciel, il est blanc. Il n'est pas encore rouge comme ce qu'on a connu dans Dragon Age Origins, le let's play original. Hop là. Un peu de cataplasme, ça fait pas de mal parce que... Vu comment je me suis fait bien exploser... J'ai bien l'impression... C'est bon. J'ai bien l'impression qu'il va m'en falloir, mais beaucoup... Et beaucoup. Voyons voir à l'entrée, est-ce qu'il y a des choses? Tic. Ah, oh, je suis bloqué là. Oh là. Au secours, je suis bloqué. Aidez-moi. M'en fous. Ça se débloquera tout seul. Hop là, vous avez vu? Donc voilà, bon. En gros, c'est bon, on a fait un peu tout le tour. Youhou! Donc c'est une vidéo repos, hein. C'est une vidéo repos après la fin du let's play, après la fin des grandes batailles et de l'épicness de recommencer. Quoi, il y en a encore? Il y en a encore ici! Bouillard! Non. Hop là! Homme d'armes! Voilà, là cette fois-ci, la place de la ville est à nous. Tic. Allez. Je paye tout encore. Et là-bas, il y avait des caisses. Ok, c'est bon, on aura fait le tour. C'était un petit peu long. Je suis désolé. Alors, faisons un peu le tour de l'équipement. Voyons voir. Épée longue des engeances. On a l'épaissie du Jarl le Haut. C'est bien meilleur, je prends. Homme du porte-étendard. Intéressant. On a des cadeaux. Ok, le Genli. Tic. Est-ce qu'il préfère... On va lui mettre une belle épée, le Genli. Bah oui, c'est bien battu. C'est grâce à lui qu'on a survécu. Hop. Le truc n'a rien, a priori. Tu peux mettre le collier? Non, tu peux pas mettre le collier. Épée à deux mains des engeances. Et ils ont des arbalètes. Ok. Donc on peut s'équiper de l'équipement. Oui, c'est assez redondant comme phrase. Donc on peut s'équiper de ce qu'on trouve sur les anciens copains, enfin, à part le Jarl le Haut et Dame Cotrien, parce que c'est des enfoirés, je les aime pas. Et du coup, nous allons au quartier marchand trucidé du monde. Et donc c'est sympa. Peut-être qu'on peut changer d'armure. Waouh. Attention, baliste, porte-étendard. Descendez le commandeur.
Les soldats, détruis les portes. La porte du bas-cloître est encore debout. Ah. Passez les balistes. Tenez la position, portée d'honneur, et commandez aux hurleurs d'avancer furtivement. Ah. D'accord. Je vois, je vois. Alors, il faut que je supprime quelqu'un. Genny s'est bien battu, toi tu meurs. Voilà. Tic 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 tic. Hurleur. Tiens la position. Personne ne me voit. Personne ne me voit. Mais personne, je ne suis pas là. Tic 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 tic. Et bouya! Bouya! Voilà! Et maintenant, hop! Tout le monde à l'attaque! On va tous les tuer! Allez, je te bouffe! Oh yeah! Les humains! Donc à bien, oh, mère perpétie! Un autre seigneur humain dirige cet endroit, porté dans un empêchez-les de commander. Mère perpétie, tu meurs! Oh, sœur Théophile! Attends, il y a une femme innocente ici! Sœur Théophile! Sœur Gurvan, tu vas mourir aussi! Yo, Gugu! Il est mort. Sœur Gugu est mort. Où sont les autres humains? Ugul'dana, la sœur d'Alistair, vous allez mourir. Ban Seorlik, meurt. Attendez, elle est pour moi. Elle est pour moi. C'est ma Gul'dana. T'as tué Gul'dana, qu'est-ce qu'une espèce d'enfoiré? C'était à moi, c'était la mienne. Femme innocent. Bon, mais j'en ai marre, moi. Mais arrêtez de le tuer pour moi, c'est les miens. C'est à moi, c'est pas à toi. Yeah. Y'a personne ici, on dirait. Il n'y a personne. Allons voir le seigneur humain là-bas. Tic 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 tic. Ogurim ! Article de premier choix. Artisanat nain en provenance d'Orzammar. Adieu, Gurim. Est-ce qu'il est là, le frère Burkel ? Arbalétrier. Tic 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 tic. Non, 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 venez pas ici! Venez pas ici, les enfoirés! Voilà, bravo! Un mage! Tuez le mage! Voilà, c'est bien! Sangha, Sangha, Sangha! Adieu, Sangha! Yeah. Ils sont tous morts! Minerai de base, je prends. Tic 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 tic. On l'a tué, Sangha, Sangha, Sangha. Bon. Je n'ai pas que ça à faire, il faut que j'aille tuer encore plus d'innocents. Pour la gloire de mon maître. Gurim. Qui c'est? Qui c'est? Une elfe terrifiée! Fuis pendant que tu es encore en vie! Car je vais me délecter de ton sang! Voilà. 8 civils de tuer sur 10. Maintenant, c'est au seigneur humain de mourir! Le Bantigan! Bouya! Meurs! Il me faut ceci. Ya! Défense au bouclier, meurs, Bantiki!
Allez, j'ai dit meurs. Il est à moi. Cet humain est faible. Oh, une faible. Mais non, tu l'as tué. C'était à moi de la tuer. Méchant. Sir Landry. Ouais. Ban Tigan, bouclier de Golfalois. Ouh, il m'a l'air d'être bien ton bouclier. Je le prends. Et toi, je te mets le grand bouclier des engeances. Tu as été promu. Alors, voyons ouvrir. Là-bas, nous avons encore des trucs à ramasser. Sir Gugu, je prends. Y a-t-il des gens par ici? Nous n'avons pas fouillé ce coin. Ça m'a l'air abandonné. Quoi, qui c'est? Un chien Mavari! Tuez ce toutou! Ce n'est pas Billy! Un homme innocent, vite, tuons-le! Ah! Qu'est-ce que ça fait du bien? Vous avez tué 10 civils sur 10. Quête terminée. On a fait un véritable massacre. Allons faire péter les portes. Ogren? Oh mon gros! Mais qu'est-ce que tu fous ici, Ogren? Tu vas mourir! Je vais me faire un nain ce soir! Allez, défonce-le! Voilà, c'est bien! Ya bouya! Ya Ogren est mort! Adieu, garde de la ville! On vient de tuer Ogren, mes amis! Du marteau du maître forgeron, qui sait qui veut ça? Sa grosse massue! Et des gens ivres. Bon. Voyons voir un peu la carte et ce que nous devons faire. Nous devons tout exploser. Très bien, très bien, très très bien. Allez, petit Genlock, sacrifie-toi! Arrêtez le réapprovisionnement. Les humains apportent de nouvelles armes porte-étendard. Détruisez-les! Ok, on détruit tout, mon maître. Ya! Tuons les chevaliers! Voilà! Tuons les humains! Maître Wade! Eren, Maître Wade, vous allez mourir! Vous allez mourir! Nous aurions pu connaître l'extase. Rire! Mais il a fallu que vous cachiez. Je suis derrière vous! Eren s'est transformé en démon! Mon dieu! Eren, c'était un mage! Vous vous souvenez d'Eren? C'était un mage! J'ai pris la cage d'armes. D'accord. Donc, on a vu le maître Wade qui est le forgeron qui nous a fait les... Qui nous a fait le truc en écaille de dragon. Mais je ne savais pas qu'Eren c'était un mage. Et a priori... Le soldat Genlock détruit la porte, porte étendard. Mais un autre problème, nous, je sais plus, j'ai pas lu. Je suis toujours sur le cas de Eren qui s'est transformé en démon et qui a fait un pacte avec le diable. Pour sauver Maître Wade. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Ah, je savais pas, Dieu, vous voyez. Bon, il est temps d'aller tuer tous les derniers soldats pour aller défoncer des elfes. La porte est libre.
Chevalier Capitaine Grégor, Cullen, Templier. Ah ouah 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 ouah. Vite, 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 tuez Wynn. Il faut tuer Wynn. C'est elle la plus dangereuse. C'est bien. Heureusement qu'elle est pas très costaud. Tu vas mourir, mamie gâteau. Et hop là, une mamie gâteau en moins. Le chevalier Capitaine Grégor. Meurs, chevalier. Quoi, vous les avez déjà tous tués? Ah bah je t'ai pillé, chevalier capitaine. Ok, donc on vient de tuer le chevalier capitaine Grégor. On vient de tuer Cullen, j'ai cru voir. Je pense que c'était lui. Je pense que c'était Cullen. Soldat Genlock est mort. Le chevalier, il est mort. Et Winnie, elle est morte. Hop là, voyons voir un petit peu ce que nous avons. Tic 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 tic. Collier pour chien à pointe. Bague spirale. Ouais, ouais. Et des cadeaux, tiens, à quoi ça sert les cadeaux? Alors lui, il est super copain avec moi. Lui, il est pas trop super copain. Est-ce que tu veux un grand os? Tu veux mâcher un grand os, mon petit ogrinet? Ah bah oui, il veut. Et toi, mon petit Hurly, tu... Bah t'es déjà à fond, mon petit Hurly. Allez, avec ce grand os, je te mets un petit coup de vin. Oh, il a l'air content, il a l'air d'être épique, hein. Mais c'est bien, ça, c'est mon gros gris. Oh oui, tu es bien, là. Voilà, on a la fine équipe, regardez. On a eu notre porte-étendard Hurlock. On a notre petit Genlock, notre petit Hurlor. Et notre ogre de l'amour. Avec deux compagnons, Comment vous appelez, les gars? Moi, c'est Jean-Pierre. Et moi, c'est Jean-Louis. Ah ben, merci, hein, c'est cool de faire la guerre avec nous. Bon, vous voyez, le ciel n'est plus blanc, il est passé un peu rosé aussi, j'ai remarqué. C'est étrange, tout ceci me paraît bien étrange. Mais on va s'arrêter là. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire ou de partager la vidéo si celle-ci vous a plu. On se retrouve dès mercredi pour la suite de l'aventure épique et affreuse dans l'ère de la guerre. Nous allons vaincre ces humains et nous allons tous les bouffer. Et l'ère de notre seigneur. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs l'archidémon. Et l'ère du mal va commencer. Nous allons tuer ces impies et leur donner la souillure des anges. Allez, à ciao tout le monde. Merci de m'avoir regardé. Bye bye.